Alors aujourd'hui j'ai rendez-vous pour aller pêcher le peacock cet après-midi avec mes potes de Fast Pan Fishing. Sauf que je vais quand même essayer de me procurer quelques leurres un peu spécifiques que j'avais pas la dernière fois. Ça allait pas du tout. Et pour se procurer des leurres, il faut que je retourne au quartier des magasins de pêche. Et pour trouver les magasins de pêche à Singapour, c'est ultra facile. Il y en a le 3/4, ils sont au même endroit, c'est-à-dire autour de la mosquée Masjid Sultan. Voilà, la mosquée là, et vous pouvez pas vous gourer. Voilà, là, le gros bâtiment, deux tours en U. Et vous arrêtez à la station Bugis. Bugis, voilà, et après vous faites à pied, c'est hyper facile. Si vous trouvez la mosquée, vous allez trouver le quartier et les magasins, ils sont tous au même endroit, mais quasiment, ils se touchent pas, mais presque. Voilà. Et là, il y en a un que j'ai pas fait la dernière fois. Alors, mon magasin est où? Yes. Trouvé. Hi. Hello. Hello. Kaiser Pro Staff? Yeah. Yeah. Hi. I'm Matthew. Thank you. Oh my gosh! Deux niveaux! Wow! Nice rod you have there! Yeah! Nice to meet you! Nice to meet you! Yeah! You fish in Singapore? Afternoon! This afternoon! First time! Second time! Going for the tropical fish! Yeah, ready! The peacock bass! I cross a finger for a peacock! Yeah! It's quite easy actually in Singapore! It's quite easy! Yeah! The peacock bass in Singapore gets a little bit. You came here for holidays or? Yeah, for holiday. For holiday and for fishing. Holiday. And just fishing. I got one fishing shop in France. Mm-hmm. I work in Hull all the day, all the year. And in the winter, I go fishing under the sun. Ah, good. I'm in Singapore, I'm in Australia, the last month. Oh. And now I come back and I stand here. For the Murray Cod. Murray Cod, I take it. Yeah. I take a big one. And for GT. Oh, everything. All rounder. Yes. All. That and now we target peacock bass. Peacock. Yeah. No need to travel to the Amazons. And you get our arowanas here too? Oh, I dream of this. Whoa, arowana. Cool. Oh, beautiful. Beautiful. With a big lure or small lure? Anything goes. Anything, you don't care. I'm using a deep diver, in fact. Deep diver? Yes. Even in our drainage, you know, in the city of our, in the heart of our city, yeah, where all the casinos are, the yeah? drains, yeah? the canals, there are three of them there. Let me show you something. Whoa. Huge. In our city. Ah, excellent. We go swimming. Swimming. Whoa, not dangerous? Not but snakes? Yes, snakes. Snakes? Leeches, everything. What but you leecher? Have to be careful. The things that suck on your blood. Ah. Wow, so cool. I'm coming for here. Yes, go for this. And what we catch is... So fun. Copain avec qui j'avais rendez-vous, il m'a donné un autre rendez-vous en fait. Et il m'a envoyé un message. Et heureusement, il faut transcrire. Okay, Matt, we meet here at UT MRT station. It will take you about 45 minutes to get from Bugis to this area. Ok, alors j'ai pas tout compris, mais je sais qu'ils m'ont donné rendez-vous à une station de métro pour aller dans un réservoir. En fait. Donc, je crois que je vais revenir parce qu'il y a tellement de beaux matos et ils sont tellement adorables que faut que je reste encore plus longtemps. Alors bien sûr, comme si le premier étage ne suffisait pas, il y a encore deux étages à faire. Et je peux vous dire que ce shop là, il est vraiment extraordinaire. Il est très clair, très bien rangé. Et il y a vraiment un bloc de shop. Voilà. C'est l'étage sérieux. Big pop. Oh. Boop.
find the... Oh, là c'est l'étage. Chiti. Boom. Big stick. Look, tu vois, on dirait un calamar. Big. Look at that. Popper. Boom. Cuba la popper. In black. I think about you because I see a lot of good shippy bait. I think that's very good. Wow, beautiful. Singapour, c'est un petit endroit avec beaucoup d'endroits pour pêcher, mais c'est illégal à peu près partout. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines zones où tu as le droit de pêcher en fait. Et les gens, comme Singapour, en fait, pardon, c'est quand même assez petit, ils n'ont pas forcément envie de partager leur spot de pêche. Parce que pour pêcher, comme il y a beaucoup d'endroits qui sont illégaux, ils y vont le matin très de bonne heure, par petits groupes ou tout seul, pour pas se faire repérer. Et ils essayent de préserver un peu ça. Donc c'est pas facile. La pêche à Singapour, elle est technique, de manière technique quand on pêche en fait, quelle leurre, quelle ligne, tout ça, pour pêcher technique. Et surtout, c'est urbain en fait. C'est du street fishing, mais vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver la bonne zone, au bon endroit, et venir de bonne heure, pas faire de bruit, pas se faire repérer. Et c'est vraiment dur d'avoir des infos quand on connaît pas en fait. Mais là dans ce shop, je peux vous dire que je suis vraiment tombé sur des gens adorables. Et maintenant, les astuces, je commence à les connaître. Je commence à les connaître et peut-être que si vous êtes gentil, je vous les dirai. Petit stick coulant, ça, ça a l'air chouette. Allez, hop, comme ça. Couleur. Oh, c'est beau ça. Bon alors les amis, au final, j'ouvre un magasin de pêche à Singapour et voici my new salesman, mes nouveaux employés. Hello. Hello. Voilà donc le paradis pêcheur se décale à Singapour. Voilà. This is your dream fish. Yeah, my dream fish. Finally. Finally, your dream fish. Papuan. Papuan bass. Very snacky. Stop. Cool. Yeah. Cool. Cool. Alors là, les copains, mon nouvel ami, Zhang. Zhang Welong. Yes. Zhang Welong, du magasin de pêche Kaizen Singapour, est tout simplement en train d'écrire un message, text message, à son super ami, Bon Lim. Who you? Very good friend, yes. Bon Lim. For we old friend. Old friend, very old friend. For we going fishing together in the next time. Yes. Yes. Let's hope to get some big fish. Yes, some big fish. Yes. Very good, very good. En fait, on va pêcher avec le gars qui fait les cannes. Bon voyage. En fait, c'est son vieux copain, son old friend. Et il lui a envoyé un petit message pour lui dire qu'il y avait un pêcheur français qui était là et qui voulait aller pêcher le toman et le peacock bass dans la jungle. Et justement, il va se joindre à nous pour une partie de pêche dans les jours qui suivent. Donc, cross the finger and wait for a big fish. Yes, yes. The big cool. Fish are waiting for us. Yes, cool. Let's go casting. Let's go casting.